Je vais vous parler du Polymax iTac qui est disponible en cartouche ou en format éco-poche qui permet d'avoir moins de déchets, qui est donc plus écologique. C'est une cartouche qui permet de faire du collage avec effet ventouse immédiat sur tout type de support parce que c'est une base polymère, même sur surface mouillée. Si je prends ici ma cartouche, on a un petit V dans la canule. Le V, on va le mettre vers le haut lorsqu'on étale le cordon. Pour former un cordon qui a une forme pyramidale. L'idée ici, c'est de faire du collage express. Le Polymax iTac colle immédiatement avec un effet ventouse immédiat à l'horizontale et à la verticale. Pas de glissement. C'est un gros avantage quand on veut notamment coller des panneaux muraux. Et depuis peu, nous avons la double accréditation TÜV Sud et CSTB pour coller les rails de placo métalliques au sol, au mur et au plafond. On a 15 minutes pour ajuster si besoin. Au bout de 15 minutes, on ne pourra plus bouger. Et après au séchage à cœur, on est à 45 kg au centimètre carré en force de collage. Très important également, c'est sans solvant, donc pas de PU. Donc c'est dans l'air du temps parce que le PU désormais est soumis à une formation où on doit mettre des gants, des lunettes pour manipuler du PU. Très bien. Je vais vous parler maintenant du Polymax Fix & Seal qui est une cartouche de polymère qui sert à la fois pour l'étanchéité, pour jointer et pour coller jusqu'à 35 kg au centimètre carré. Je vais vous montrer qu'avec ce produit, on peut faire un joint silicone sanitaire même sur surface mouillée. Je mets de l'eau sur mon support et avec la cartouche, on va adhérer immédiatement sur le support. Nous sommes ici sur un Polymax cristal qui est translucide. On se sert de notre petit outil, le multi-tool, pour affiner le joint si besoin, en cuillère pour récupérer le surplus et on affine au doigt. Nous avons un joint ici parfaitement translucide sur surface mouillée. On peut prendre notre douche après une demi-heure, c'est étanche immédiatement. Je vais vous parler désormais du colmat fibre. Il s'agit d'ici de la filasse et de la pâte à joint synthétisée en une petite bandelette. Le travail est déjà fait, rien besoin de rajouter de plus. Il y a seulement deux choses à respecter pour garantir l'étanchéité d'un raccord fileté. Il y a un nombre de tours à effectuer en fonction de la taille du raccord. C'est marqué sur la boîte, vous ne pouvez pas vous tromper. Ici, on est sur du raccord 1,5, on fait 3 ou 4 tours. Et la deuxième chose, le sens d'application. On met le côté blanc apparent et le côté vert sur le filetage. On gratte un petit peu et on compte. 1, 2, 3 et ça suffit. On fait ressortir le filetage en serrant. Et on a terminé notre raccord. On va venir le visser, tout simplement. Vous voyez que ça rend propre, c'est rapide. Et le gros avantage du colmat fibre seal, c'est que quand on met sous pression, en fermant le robinet, c'est mieux. Ici, on est à un peu plus de 20 bars. On peut aller jusque 26. On peut faire un retour en arrière jusqu'à 180 degrés sans fuite ici.
pour remettre droit le raccord. Le gros plus de ce produit, c'est qu'il bénéficie de l'agrément ACS pour l'eau potable, ce qui n'est pas le cas de la filasse et la pâte à joint. Donc vous pouvez l'utiliser sur les raccords d'eau potable.